Good morgen, allez, Iden, les juges aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Rachel, Bat Yochaved, Rivka, Bat Levi Yitzchak, et Dov ben Yudit, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Kenim, Peri Gimel, Mishnah Dalet. Chatat Veola, Oustouma, ou Meforeshet. Asa, Kulan le Malan, Mertsa Kacher, ou Mertsa Pasoul. Kulan le Matan, Mertsa Kacher, ou Mertsa Pasoul. Chetsian le Malan, Vechetsian le Matan, En Kacher, El Astouma, Vei, Mitraleket, Benehen. Mishnah relativement simple, il y a deux manières de l'interpréter, on va tout expliquer, Bezat Hashem. Mais tout d'abord une bonne nouvelle, depuis qu'on étudiait Masechet Kinin, j'avais des doutes, est-ce qu'on avait passé le plus difficile du Kinin, ou est-ce que c'était encore, il nous restait encore du dur travail. Pourquoi? Parce que j'ai dans mon livre le Tiferet Israël, qui rallonge Mamash sur ces trois dernières Mishnayot. D'abord, il nous met en garde ici en nous prévenant qu'attention, ces trois derniers Mishnayot, c'est les plus compliqués de tout le Seder Kochim. Ça va faire entrer des notions de permutation, permutation. C'est des principes de probabilité, en fait. Et il rallonge énormément pour expliquer tout ça. Et finalement, je n'ai pas lu le Tiferet Israël, mais j'ai lu la suite de la suite du Pérec jusqu'à la fin. Ça y est, quoi, Baruch Hashem. Je n'ai pas tout compris dans tous les détails, mais en tout cas, de manière générale, c'est assez clair et le plus dur est derrière nous. Donc maintenant, on peut décompresser. Bezrat Hashem, il nous reste 3 Mishnayot jusqu'à la fin du Seder Kochim, Bezrat Hashem. Et on commence à expliquer cette première, qui est relativement simple. Si vous avez compris le principe, c'est exactement ça en fait. C'est la permutation, c'est qu'à chaque fois, c'est... Bon, bref, on ne va pas rallonger dans des calculs de probabilité. Mais très simplement, Khatat Veola Oustouma ou Meforeshet. Là, maintenant, nouvelle situation. Vous vous rappelez bien. Perek Gimel, on parle d'un Kohen qui ne pose pas de questions. Et qui prend des initiatives tout seul, d'accord? C'est le principe, on a des mélanges, il ne demande rien, il s'imagine, il tranche tout seul, quoi. Il a eu des mélanges qui sont faits, il dit, bon, je vais faire la moitié en haut, la moitié en bas, ou bien tout en haut, tout en bas, peu importe. Et donc, on cherche à savoir maintenant combien, a posteriori, on est certain d'avoir réussi à faire les corbanotes comme il fallait, et combien ensuite il va falloir réparer ce qui n'a pas été fait. Et la Mishnah m'enseigne comme ça, on a une situation maintenant, un khatat, veola, ustuma ou meforeshet, on a 6 oiseaux. On a en fait 2 femmes, Rachel et Léa. Rachel, elle devait apporter 2 khatat et une hola, et l'autre devait apporter 2 hola et une khatat. Donc elles se sont dit, c'est super, tu sais quoi, au lieu qu'on achète, on va aller acheter ensemble 3 kinim, on va partir acheter 6 paires ensemble, 3 paires ensemble, donc ça fait 6 oiseaux. Et puis ça se passe comme ça, une, elle prend une, elle dit, bon, elle c'est pour ma khatat, d'accord? Elle prend l'autre, elle dit, bon, ça c'est pour ma hola. Donc maintenant, il reste que maintenant, elles doivent apporter chacune encore 2 khatat et 2 hola. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, bon, dans cette paire d'oiseaux, il y aura un khatat et un hola, mais elles ne disent pas à qui ça appartient. Et dans l'autre paire d'oiseaux, elles disent, bon, on verra le Kohen comme ça lui prendra, il voudra le faire. Précision supra importante, qu'on n'a peut-être pas assez insisté, mais qui est essentielle. Tout d'abord, définir, lorsque je prends une paire d'oiseaux, même quand tout seul, je dois apporter un khatat et un hola, j'ai 2 étapes à partir de quand je vais définir qui sera khatat, qui sera hola. Soit au moment où j'acquiers les oiseaux, soit au moment où le Kohen va le faire, mais pas au milieu. D'accord? C'est pas une petite notion importante, étant donné que la Gemara dans Hérouvine, elle le dit, je crois, la Metzahin, je crois que j'ai vu que c'est rapporté. Je l'ai vu plusieurs fois, j'ai pas assez insisté, mais en fait, c'est une donnée très importante à connaître, parce que ça, sinon ça fausse des choses. Il y a, lorsque je, soit, je peux, lorsque je dois apporter un korban khatat, un korban hola, je peux soit j'apporte un khatat et un hola, soit je peux décider de prendre une paire indéfinie. Lorsque je prends la paire de manière indéfinie, quand je la définirai cette paire-là? Lorsque le Kohen la fera concrètement korban. D'accord? On utilisera ça pour déjà dans cette Mishnah, pour expliquer une petite notion un peu subtile. D'accord? Maintenant. Donc on a eu les deux femmes qui sont parties, qui ont dit, bon, tu sais quoi, moi je dois acheter un khatat, un hola, et puis à part ça, on doit en faire ensemble 2 khatat, 2 hola. Donc, une, elle prend les 2 oiseaux, déjà dit, bon, ça c'est pour mon khatat, ça c'est pour ta hola. Elle prend la deuxième paire, elle dit, bon, de là, on va faire lui khatat, lui hola, on décidera après pour qui, ils n'ont pas précisé pour qui c'était. Et puis après, ils ont dit, bon, donne-moi la troisième paire, maintenant, elle va rester stouma. D'accord? Donc, en fait, on a la Mishnah qui me dit, un khatat, une hola, une stouma, mais c'est une paire de stouma, et une meforeshet, c'est une paire de meforeshet, d'explicite. D'accord? On a dit qu'il y aurait une khatat et une hola. Et bien évidemment, ça s'est mélangé. Alors la question c'est de quelle manière ça s'est mélangé? Il y a 2 manières d'étudier. Soit on comprend que ça s'est tout mélangé,
Soit on comprend qu'on les a laissés par paire, mais de paire, sans définir qui sera qui. Je vais expliquer d'abord. D'abord, je vais prendre le gros mélange, bien que le Barthénon aura. Et le Tiferet Israël n'explique pas comme ça. Celui qui explique comme ça, c'est concrètement ce Mayenne à Yeshua, je ne sais pas qui est ce commentateur, qui a beaucoup rallongé sur Massechet Kinim, et qui explique comme ça, plus loin, qu'en fait, il a tout mélangé. Cette manière d'étudier va nous poser un problème, comment comprendre une phrase de la Mishnah, qu'il va falloir forcer un petit peu sur les mots. C'est pour ça que les autres ont expliqué autrement. Mais pour le moment, imaginez qu'il a tout mélangé. Et puis on a porté tout ça au Cohen, et puis le Cohen, bon ben, il s'est pas posé de question, lui, il a tout pris, il a tout fait en haut. À sa Kulanema, là, il a fait tout en haut, donc forcément, quand il fait tout en haut, il y a quoi? Il y a trois Olot qui sont cachères. Donc, Mertsa cachère, on va ça parce que la moitié elle est cachère, l'autre moitié en avidé, c'est-à-dire la moitié. C'est la moitié qu'il a fait en haut. Ce sera la moitié, ce sera les Olot, elles devront apporter, ces femmes-là, elles devront apporter de nouveau trois Chataot pour les faire en bas. Donc celle qui devait apporter les deux Olot, elle s'est acquittée de son devoir. Celle qui devait apporter une Ola, elle s'est acquittée de son devoir d'apporter une Ola, mais il reste encore trois Chataot à faire. Kulanelemata, inversement, il a tout fait en bas, et ben de nouveau, Mertsa cachère, Mertsa pasoul. La moitié est cachère, l'autre moitié est pasoul. Celle qui devait faire deux Chatat, elle s'est acquittée de ces deux Chatat, l'autre elle s'est acquittée de une Chatat, elles devront apporter respectivement une Ola et deux Olot. Alors là, le Cohen, lui, il a pris des initiatives, il s'est dit, ah mince, c'est un mélange. Bon, je vais faire la moitié en haut, la moitié en bas, d'accord. On fait un compromis entre les Chataot et les Olot. La moitié en haut, la moitié en bas. Et bien, la Mishnah m'enseigne, En Kacher et l'Astouma. Il n'y aura de Kacher que l'Astouma. Littéralement, on comprend que c'est que l'Astouma qui est Kacher. Puisqu'il y a un problème dans la Mishnah, alors il faut expliquer que la quantité respective à l'astouma, donc juste deux oiseaux. Vehi mitraleket benem, il faudra la partager entre les deux. Je m'explique un petit peu plus clairement. Il avait donc six oiseaux qui étaient complètement indéfinis, et puis concrètement, il y a deux khatat définis, deux hola définis, et une paire d'oiseaux indéfinis. Maintenant, il a pris la moitié, il a pris les six, il a coupé en deux n'importe comment, on ne sait pas comment, il a pris trois, il les a fait en haut, en hola, trois en bas, en khatat. Combien on est certain qu'il a apporté de korbanot ce Cohen? Eh bien, concrètement, juste deux. Un khatat et une ola. Pourquoi? Parce que dans le pire des cas, il a pris les deux olot, il les a faites en haut. Et en plus, dans le pire des cas, il a pris deux khatat, il les a faites en haut. Mais forcément, il a pris ensuite soit une khatat, soit une stouma. D'accord? Puisqu'il y avait au total, il y avait deux ola indéfinis. Deux ola définis et deux khatat définis. D'accord? Il a pris maintenant, parmi les six, il a pioché trois oiseaux et il les a fait en haut. Alors, ben, faites permuter les éventualités comme vous le voulez. Vous verrez qu'au pire des cas, il a fait deux holas en haut, il a fait deux khatat en haut et une indéfinie ou une khatat définie. Excusez-moi, on est en haut. Donc, quand il les a pris, il a fait deux khatat en haut, est-ce que j'ai dit? Deux khatat en haut et soit l'indéfini, soit la hola en haut. Donc c'est parfait. Il a fait au moins une Ola. Idem en bas. Au pire des cas, au mieux, bien sûr, bien évidemment, toujours. Au mieux, c'est qu'il a pioché les trois Ola en haut et les trois Khatat en bas. Mais même s'il a mal pioché, c'est sûr qu'il a eu au moins une Ola qui s'est retrouvée en haut. Et c'est sûr qu'il a eu au moins un Khatat qui s'est retrouvé en bas. Donc, l'équivalent de la Stouma, en fait. La Stouma qui correspond en fait à l'indéfini. C'est sûr qu'il a fait au moins la quantité d'oiseaux équivalente à la Stouma. Donc deux oiseaux qu'il a fait comme il se doit. D'accord? Et bien évidemment, ensuite, Vehimitra Leket Benem, elles devront se partager entre elles, c'est-à-dire qu'on se dire, puisque concrètement, il est possible qu'en réalité, tout appartenait à une femme ou tout appartenait à l'autre femme, dans le doute, elles vont se partager entre elles, et puis elles vont dire, bon, ben, moi je devais apporter, parmi les trois oiseaux que je devais apporter, je m'acquitte de un, et toi tu devais t'acquitter de un. C'est plus ou moins ce qui est écrit dans la Mishnah, sauf qu'on a dû jouer un petit peu sur les mots en disant que seule la stouma est kshera. Or, il n'y a pas de stouma qui est kshera. Il y a la quantité de la stouma qui est kshera, mais la stouma elle-même, elle n'est pas kshera. On n'en sait rien, la stouma. Peut-être que la stouma, elle se retrouve entièrement en haut et qu'il n'y en a qu'un seul qui est kshera. Mais qu'une chose de sûre, c'est qu'en contrepartie, il y aura eu une khatat qui sera faite en bas, qui sera kshera aussi. Donc, on ne peut pas dire une kshera et la stouma. Les mots ne sont pas justes. Donc, en fait, il va falloir dire la quantité de stouma. Ça, c'est la première interprétation. Rapporté, je vous ai dit, apparemment, que j'ai commencé à lire, le Mayanai Yeshua, je n'ai pas lu jusqu'au bout son commentateur, mais comme ça, en tout cas, il propose. Sauf que le Barthénon, il n'explique pas comme ça.
j'ai eu du mal à comprendre, c'est que grâce au Tiferet Israël que j'ai compris en fait, que en fait, on parle que quand on achetait des oiseaux pour apporter des paires, eh ben, quand on les laissait deux par deux, c'est-à-dire que lorsqu'on a décidé de prendre une première paire, on a dit, bon, là, il y a un khatat et un ola, une deuxième paire, un khatat et un ola, une troisième paire, on a laissé ça en indéfini. Ouais, en fait, les oiseaux, maintenant, c'est vrai qu'on a pas, on s'est trompé après à savoir qui est khatat, qui est ola, mais on a trois paires précises. Une, il y a un khatat et un ola, l'autre un khatat et un ola, et l'autre un khatat et un ola. Sauf que dans une, c'est défini qui pour qui, dans l'autre, c'est défini qui sera khatat, qui sera ola, mais on ne sait pas. Ce sera pour Rachel ou pour Léa, c'est pas grave. Et l'autre, c'est complètement indéfini. Et comme ça, on les amène au Cohen. On les attachait par les pattes, par exemple, d'accord? Deux par deux. Et le Cohen, lui, il calcule pas. Il s'imagine qu'il a trois paires de stoumot, par exemple. Et du coup, il pose pas de question, il prend une. De chacune, il prend une, il fait en haut, et l'autre, il fait en bas. Ou inversement, c'est qu'il a pris celle qui devait être en bas, il l'a fait en haut. Ou peu importe. Du coup, la Mishnah m'enseigne que sache que dans les deux premières paires qui étaient définies, eh ben, c'est sûr qu'il a planté. C'est probable qu'il ait planté, donc on ne s'est pas acquitté du devoir. Peut-être qu'il a, puisque c'était défini qui était la khatat et qui était la ola, peut-être qu'il a pris la khatat, il l'a fait en haut, et la ola, il l'a fait en bas. Et ensuite, ola et khatat de nouveau, le même système, même problème, la khatat en haut et la ola en bas, donc il ne s'est pas acquitté. Sauf la stouma, c'est sûr que la stouma, il s'est acquitté. D'accord? Maintenant, que signifie dans ce cas-là le vehi mitraleket benehen? Oui. Ça, c'est le grâce au Tiferet Israël, de nouveau. Vraiment, il nous sauve des fois ce Tiferet Israël, des fois souvent même. Ça se passe comme ça, c'est pas compliqué. Il y a en fait, il y a une précision importante. C'est qu'en théorie, un korban, il doit être personnel. C'est-à-dire, lorsque le Kohen, il va prendre un korban, il doit décider, je vais le faire Ola pour Rachel ou Ola pour Léa. Là, on parle d'un cas, en fait, où le Kohen, il n'a rien précisé. Il a dit, bon, on m'a amené du stoumot, Rachel l'a amené, je sais pas, il a pris, il a fait en haut, il a fait en bas. La Mishnah, en fait, elle est venue m'enseigner qu'il faudra, après coup, définir que Rachel et Léa se concertent ensemble et qu'ils disent, bon, il a fait, mais nous, puisque depuis le début, on avait décidé qu'on a pris des oiseaux, qu'on allait ensuite les appeler ensuite, après coup, eh bien, maintenant, rétroactivement, on va dire, bah écoute, celui qui l'a pris, qui l'a fait en haut, ce sera la ola pour Rachel, et le khatat, ce sera la khatat pour Léa en bas. La Mishnah est venue juste m'enseigner qu'en fait, même si au moment où le Kohen l'a fait, c'était encore indéfini, eh bien, après coup, les femmes pourront se concerter et décider rétroactivement qui était à qui. Pas parce qu'on peut décider rétroactivement à attribuer le korban, mais parce qu'en réalité, ce que le Tiferet Israël explique, dans Hérouvin et la Metzain Amoud Alef, c'est expliqué là-bas, que depuis le moment où le Kohen, où les femmes ont acheté les oiseaux, elles ont quelque part, elles ont décidé qu'il y aura une khatat et une ola, selon ce qu'on décidera ensuite, ce sera depuis maintenant. D'accord? Et donc, une fois qu'elles ont fini d'offrir les corbanotes, que le Kohen aura fait les corbanotes sans les concerter, elles décideront entre elles, ben, finalement, bon, moi je décide que la ola c'était pour moi, la khatat c'était pour toi. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la sacra coltou, vous savez.